Bien chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête, la solennelle mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel. Le Mont Carmel qui est un lieu, une montagne en Israël, en Terre Sainte, qui était considéré sacré déjà par le peuple juif, parce que c'est là où vivait il y a très longtemps le prophète Élie. Mais au XIIe siècle, sur ce montagne, s'est établie une petite communauté de moines érémites. Ils avaient tous leurs petites cellules autour d'une chapelle dédiée à la Mère de Dieu, où ils vivaient leur vie en simplicité, en prière, en solitude. Mais quelque temps après, avec la conquête islamique de la Terre Sainte, ils ont dû quitter leur montagne. Ils ont été chassés de là. Et ils sont retournés en Europe. Et ça a été un peu un choc des cultures, soit pour eux, soit pour la société qui les a accueillis. Ils ne savaient pas quoi penser de ces moines un peu bizarres. Ils ne savaient pas dans quelle catégorie les mettre. C'est l'Église de son temps qui les a poussés un peu vers un nouveau mouvement. On parle du XIIIe siècle, ce mouvement n'est pas plus très nouveau aujourd'hui, mais on les a poussés vers les frères mendiants qui existaient déjà, les franciscains et les dominicains. C'est ainsi alors qu'au lieu de se référer sur une montagne, ces frères de Notre-Dame, comme on les appelait, ils se sont établis dans les villes. Et ils ont dû se réinventer un peu. Et ils ont, au lieu de vivre une vie d'érémite extérieure, ils ont intériorisé ce charisme. Et c'est en faisant là qu'ils ont enrichi énormément l'Église de l'Occident. Ils ont montré dans leur apostolat cette voie intérieure, cette vie simple, cette petite voie, cette montée du Mont Carmel, comme l'écrivait le grand saint Jean de la Croix, cette montée vers Christ, en simplicité et en prière, sous la garde très spéciale, sous la protection de la Mère de Dieu, qui du commencement de leur communauté a été plus près d'eux, qui les a comblés de grâces et de promesses. L'ordre du Carmel, ici en Occident, a eu, après une croissance énorme, aussi des maisons démoniales, des maisons féminines ont été établies, qui ont donné de très grands saints à l'Église, notamment Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse. Et toujours, comme le enseignait Thérèse, en suivant cette petite voie, la voie de Marie, qui nous amène vers son Fils, vers le Christ. Et l'autre don que le Carmel a donné à l'Église, c'est ce signe de protection de la Mère de Dieu qui est le scapulaire. Je le porte pour une fois bien visiblement, un peu plus large que normalement. Et le scapulaire, en fait, c'est une réduction d'une partie des habits, pas seulement des carmes, mais beaucoup d'autres moines moniales, qui restent sur les épaules, scapula en latin, et qui, dans son origine, c'était un tablier. Tablier qui est symbole de service, de dédication et de protection. Et la Mère de Dieu a donné une promesse au Carmel qui porte ce scapulaire avec foi.
ne se perdra pas. Il y aura toujours ma protection, toujours je serai près d'eux. Mais voyez bien, ce n'est pas un talisman, ce n'est pas une amulette, ça n'a aucun pouvoir magique, parce que le mot-clé est qu'il le porte avec foi. Parce que sinon, ça ne sont que deux petites pièces de tissu, et rien d'autre que ça. Mais je le porte toujours sur moi. Et je le sens. Ça chatouille un peu, parfois ça gratte. Et c'est un rappel. Un rappel que Notre-Dame est près de moi. Qu'elle est avec moi, qu'elle a promis de me protéger. C'est pour ce don-là que je remercie l'Ordre du Carmel et de tous les autres dons spirituels qu'ils ont donnés à l'Église. C'est pour ça que toute l'Église en Occident célèbre encore chaque année le 16 juillet sa fête patronale de Notre-Dame du Mont Carmel, parce que les bénédictions qu'elle a données à ses simples frères, elle a voulu les donner à toute l'Église. Ce que je souhaite à nous tous, c'est qu'on puisse aussi, comme ont fait les frères du Mont Carmel, trouver cette voie intérieure qui nous fait monter vers la croix, vers le Christ, en prenant la main de la Mère de Dieu, qui a promis d'être avec nous et de nous guider vers son Fils, qu'on puisse trouver cette vie intérieure de prière, cette confiance en simplicité. Je veux vraiment vous encourager, mes chers frères et sœurs, de le prendre à cœur, de vous rendre bien conscient que la Mère de Dieu est avec nous, qu'elle nous protège, et que si on a cette foi et cette confiance en lui, et plus important, en Jésus, son Fils, qui est mort et ressuscité pour nous, qu'on se perdra. Menons cette voie, cette vie de dédication, de service. Je vous encourage, si vous n'en avez pas, et vous le souhaitez, couperez-vous un scapulaire et portez-le avec foi, qu'il vous rappelle à chaque jour, à chaque moment, de la présence protectrice de la Sainte Mère de Dieu. Ayons confiance en Jésus, qui a donné tout pour nous. Faisons tout cela, mes chers frères et sœurs, avec sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.